Pouah les gars, j'ai fait une grosse sieste cet après-midi parce qu'il faisait mauvais. Et je crois que je suis un génie. Je sais pas, des fois, dans la vie, on a des illuminations et on ne sait pas pourquoi ça vient comme ça et on se dit pourquoi on n'y a pas pensé avant. Là, si vous vous souvenez, j'ai installé un contacteur qui me permet de piloter mes ventilateurs. Le problème, c'est que je ne sais pas si il a activé ou s'il a démarré et je ne sais même pas si via la sonde. Le système fonctionne ou pas quand le moteur s'allume quoi. Et ben du coup, regardez bien. Po, truc de fou les gars, regardez ce que j'ai fait. Juste avec un fil quoi. C'est incroyable. Donc du coup, désormais, dès que la sonde va s'allumer au niveau du moteur pour refroidir parce que je chauffe au niveau de la température, et ben ça va se mettre en route. Ça me dira que j'ai les ventilateurs d'activer. Et pour ce faire, ça a été très simple. Donc là, moi j'ai installé un manomètre ici. C'est mon tuyau de manom, ok? Et ici, j'ai l'ancienne fiche du surpresseur de turbo. Vous voyez, elle est là. Je vais bien la l'isoler, tout ça, du surpresseur de turbo. Du coup, comme c'est un contact à la masse, je me suis pris sur le fil rose qui est dessous. Là, il y a un noir qui fait l'arrivée et le rose et le contact. Le surpresseur, c'est juste un contact. Donc, je suis reparti du rose, je suis remonté tout le long là-dedans, et je suis venu me ponter ici sur mon fil de masse, puisque là, vous voyez, j'ai une masse qui part à mon interrupteur, et quand je fais contact, elle me renvoie la masse. Soit sur le premier ventilateur, soit sur les deux ventilateurs, via les relais qui sont à l'intérieur. Du coup, juste avec ce petit fil qui arrive là, vous voyez, c'est celui-là, eh bien, ça m'envoie une masse sur le contacteur qui est ici, qui vient allumer la petite LED qui est au tableau de bord. Eh, franchement, il n'y a personne qui a pensé à ça ou quoi? Oh, faut faire la sieste, les gars, de temps en temps, hein. Ça permet de cogiter, hein. Bon, allez, je vous partage l'astuce, mais vous la gardez pour vous, hein. Hein, Juliane, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien. C'est qui le meilleur bricoleur? Lui, Eh ouais, vous avez vu qu'il pleuve ou qu'il vente, on est tout mouillé, mais on y va, on fait de la mécanique quand même, hein. Ouais.